C'est par une marche silencieuse qu'environ 200 amis et collègues de Vincent Delory ont souhaité lui rendre hommage. Pendant près d'une heure, ils ont marché le long du chemin de Tournefeuille à Saint-Martin-du-Touche, et ce, jusqu'à son ancien domicile. Là, une table et un cahier ont été installés, l'heure du recueillement et du souvenir. Quelqu'un qui était généreux, qui était toujours quelqu'un sur qui on pouvait compter, que ce soit. Moi, je l'ai connu à la fois pour le boulot et à la fois pour en tant qu'ami. Donc c'était ouais, quelqu'un d'attachant. Aujourd'hui, c'était le moyen de lui dire au revoir. Vincent Delory travaillait à Capgemini Toulouse comme ingénieur informatique. Chaque jour, c'est désormais une place vide qui ravive les douleurs. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est tout simplement comment allons-nous pouvoir organiser le bureau de Vincent. Hein, au jour d'aujourd'hui, nous avons une place vide où Vincent n'est plus présent et c'est quelque chose ça, qui est très très difficile à vivre pour son équipe. Aujourd'hui, jour des obsèques de Vincent Delory et Antoine Léaucourt à Lincelles dans le Nord. Une minute de silence a été observée à 15h à Capgemini.